Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo déballage de colis. Aujourd'hui ce sera colis Vistaprint par rapport à mon association. Donc c'est pas des trucs personnels mais associatifs. Mais je voulais quand même vous partager avec vous parce que je trouve que c'est assez intéressant de partager tout ça. Je vais juste retrouver mon bon de commande, comme ça je m'y retrouve et comme ça je vérifie en même temps que vous s'il y a quelques manques ou si ça correspond à la commande. Et voilà. En tout cas, j'ai payé, ben là je viens de les avoir, hein, j'ai payé un frais de douane de 88 euros. Oui, oui, c'est cher, moi je trouve, 88 euros. Et après, pour une commande de, je vais vous dire ça tout de suite parce que là je me souviens absolument pas. Attendez juste un petit instant. Donc c'est une commande que j'ai fait samedi dernier. Samedi vers minuit, 2h du matin, vous connaissez. Moi, souvent, je travaille sur l'ordinateur et tout ça, souvent à cette heure-là. Donc, j'avais payé une commande de 185,85 euros. Et j'ai quand même payé un frais de douane de 88 euros. Youhou! Bienvenue à la réunion. Donc, je vais commencer à ouvrir. Donc, j'ai deux gros paquets. Il y a celui-là. Voilà, voilà. Et l'autre, ça c'est hyper lourd, donc du coup je sais pas si je pourrais vous le montrer comme ça, mais bon voilà, il y a celui-là. Voilà. Alors comment on va faire pour montrer tout ça, parce que j'aimerais quand même vous montrer le déballage du colis. Allez, je vais chercher une solution. Voilà, je vais commencer par celui-là, j'ai déjà mon ciseau. Alors, ici, je comprends pas pourquoi c'est dans une grosse boîte. Voilà, comme ça, et ils ont mis des trucs comme ça pour protéger, je pense. Mettre dans un gros truc. Alors je vais commencer à vous montrer. Je vais sortir une carte de l'emballage. Alors ça, je vais l'enlever. Donc ça, je sais pas c'est quoi. C'est juste un petit truc de publicité. Hein. Et ça, c'est des protections. J'ai enlevé ça. Cette carte de visite, donc j'ai fait l'image sur Canva. Donc c'est moi-même qui ai fait. Ouais, ça va. Ça va, mais franchement, mon logo, à la limite, on dirait on le voit pas. Après, c'est peut-être moi qui ai fait ça, mais je sais plus. Et voilà, je vais vous montrer. Voilà. Voilà, donc moi, j'ai 1, 2, 3, 4... 5, 6 boîtes de cartes de visite. J'avais commandé, attendez-moi, attendez un instant. J'ai commandé 2000 cartes de visite, d'où le nombre de boîtes. Donc voilà. Franchement, si je donnais une note, je dirais 8 sur 10. Voilà. Je continue. Donc, vu qu'on a fini déjà la boîte, je vais continuer avec l'autre boîte. Par contre, je pense que je vais baisser un petit peu la caméra. Je vais m'occuper maintenant de cette autre boîte. Celui-là, c'est hyper lourd. Allez. Je sais pas trop comment le dire, mais... Ouais, un petit truc là.
encore des cartes de visite. Celui-là me fait un petit peu peur là. Oh mon dieu, c'est un petit truc comme ça. Oh non. Le A6 est tout petit en fait. J'avais commandé quoi comme A6 là? J'avais commandé des affiches. Attendez. Ouais. C'est pas vrai. J'avais commandé des affiches A6. 5000 affiches A6. Oh non, j'ai mal calculé. Bah, du coup, j'ai oublié ça après. Donc, j'ai commandé des stylos avec le logo de mon association. Je vais vous montrer ça. Voilà. Est-ce que c'est pas flou? Allez, pas flou. C'est compliqué, hein? Ah, je vais mettre une photo, je pense. Ou je filmerai après. Comme ça, vous verrez vraiment. Ensuite, donc, encore des cartes de visite. Toujours des cartes de visite. Ensuite, donc, les affiches A6. Je verrai ça après parce que c'est trop petit. Je ne veux pas que ça s'éparpille. Ensuite, il y a un gros carton comme ça pour qui ne sait pas. Oh non. En fait, je me suis vraiment trompée. Donc à l'intérieur, oh pardon, à l'intérieur il y a des affiches hein, que je vous montrerai plus tard. Mais voilà, je pense qu'il y a tous mes commandes. Donc là, ce sont les affiches. Je vais en ouvrir un pour voir. Et en dessous, non. Laisse ça, s'il te plaît. J'arrive pas à l'ouvrir. Je vais pas le casser. Du coup. Allez, mon ciseau. Je me suis vraiment trompée de format, je pense. J'aurais dû prendre un 5. Parce que là, c'est tout petit. Mais bon. C'est bien aussi, hein, mais bon. C'est pas du tout ce que je pensais. Alors, il y a l'affiche. Donc ça, j'ai demandé à quelqu'un de le faire. Voilà. Ça, c'est le recto. Et le verso, il y a toutes les activités de l'association, donc on a fait ça. Ça, c'est quelqu'un qui a fait, mais j'ai modifié quand même à la fin parce qu'il y a un truc que j'ai pas trop aimé, du coup j'ai modifié, mais voilà. En soi, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est bien. C'est l'image est nette et tout ce que vous voulez. Mais en fait, c'est moi qui me suis trompée. J'aurais pas dû choisir à 6, j'aurais dû choisir à 5. La moitié d'une feuille, mais pas le quart d'une feuille. Mais bon, c'est pas grave. N'en touche pas à ça. Du coup, je vais emmener ça au forum des associations parce que moi, je vais participer au forum. Du coup, voilà. Je vais remettre quand même dans le carton pour pas casser. Et du coup, il reste les affiches. Donc là, il y a 3 seulement. Il n'y a pas un autre. Je regarde, je vérifie. Il y a les flyers, c'est dépliant. Je pense qu'il manque des trucs. En dessous, tu arrêtes maintenant. Il y a encore des affiches. Je vais essayer d'ouvrir celui-là. Je vais voir si l'image est nette. Je ne sais pas du tout si ce sont les affiches ou si ce sont... Bah oui. Je sais pas c'est quelle affiche qu'il y a là. Ok. Donc voilà les affiches. Alors ça c'est l'affiche de piano. Voilà. Donc c'est en quelle... Attendez. En dessous. Je sais plus c'est à combien. Je pense que c'est un A3. Non. Je sais plus, mais voilà, c'est grand. Oui, c'est maman.
Je vais vous montrer les autres affiches. Donc ça, on va remettre quand même à l'intérieur pour ne pas salir, parce que je vais les mettre dans des cadres après. Je vais mettre ça comme ça. Allez, je remets ça. Pardon. Celui-là, mais je pense qu'ils manque quand même des affiches là, sauf s'ils ont mis dans une même, dans un même carton. Yeah. Là il y en a encore. Ah oui, là-bas il y en a encore. Ok, donc là il y a encore d'autres affiches dans l'autre carton, mais on va voir ça après. Mais je vais juste vous montrer la qualité de l'image. Je vais quand même cacher les visages des autres enfants, mais voilà. Voilà, franchement la qualité est bonne. La qualité est assez bien, donc ça va. Je vais continuer. Ça par contre c'est encore plus grand que tout à l'heure, parce que là il y a tout ce qui est... Donc celui-là c'est les grandes affiches. Je vais vous montrer. Donc ça c'est les grandes affiches, plus grand que l'autre tout à l'heure. Ah, je me suis trompée de... Ça, c'est là où il y a toutes les informations, comme je vous ai montré en assise tout à l'heure, mais en plus grand. Voilà. La qualité, franchement, ça va. C'est un papier un peu plus épais, on va dire, un peu plus épais qu'une feuille A4 normale. Donc voilà, l'image est bonne. La couleur, ça va. Franchement, ça va. Je vais montrer ça. Voilà. Ensuite, la deuxième. La deuxième grande. Donc, c'est le verso de celui-là. Ah, c'est à l'envers aussi. C'est joli, franchement j'adore. Donc ça c'est la deuxième partie. Voilà, c'est bon. Ça, il y a, là il y a deux. Oui oui. Attends, il reste que celui-là. Moi, je me souviens, j'ai commandé plusieurs. Attendez, je regarde, je vérifie. Les flyers A6, c'est bon. La carte de visite, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il reste qu'une seule. Il reste qu'un seul article. C'est bon. Voilà. Tout y est. Franchement, mon ressenti par rapport à tous les articles, c'est... je vais donner une moyenne de, on va dire, 8,5, 9 sur 10. Franchement, c'est... Oui, touche pas parce que tu vas salir. Je suis assez contente du résultat de tout ce que j'ai acheté là. En plus, c'était très rapide. Je vous... Là, c'était écrit livraison prévue le 30 août. On est le 27, donc c'est arrivé plus tôt. En plus, j'avais fait ma commande le 21 août, on est le 27, donc ça leur a pris 6 jours. Est-ce que les stylos marchent? Oui, ce sont des stylos noirs. Mais bon, c'est pas très important. Je vais essayer de vous le montrer encore une fois. Alors,
Est-ce que ça se voit? Allez, donc comme je vous l'ai dit, la totale de toutes ces commandes était de 188 ou je sais plus, attendez, 185,85 €. Et j'ai payé la douane à 88 €. Bah écoutez, je vais continuer à commander sur Vistaprint, hein, franchement. Qualité ça va, le prix ça va, sans plus douane que je trouve quand même assez exagéré. J'en avais besoin parce que j'avais pas eu d'autres solutions. Pour les t-shirts je vais commander ailleurs, mais voilà, pour la carte de visite et les affiches et tout ça, j'en suis satisfaite. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, n'hésitez pas à partager autour de vous si ça peut être utile à quelqu'un. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao !